informations présentées proviennent de la profondeur des coulisses et du secret des alcôves. Je vous mets donc en garde. Évitez tout comportement désinvolte ou irrespectueux. Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Nous vivons les derniers moments d'un monde qui s'étiole et nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère de l'humanité terrestre. Devenez conscient que nous sommes à l'aube d'un incroyable événement qui marquera à jamais l'histoire de notre époque, celle de l'interstellarité. Dans l'épisode 1 de cette trilogie, nous avons abordé les origines, l'implémentation et la symbologie du déploiement actif du transhumanisme. C'est le cœur des agendas des deux versions du Nouvel Ordre Mondial 2021 et 2030 et l'exposition de plus en plus importante du public à ce qui était jusqu'alors maintenu secret ou invisible. Dans l'épisode 2, nous avons analysé quelques couches sous-jacentes du palimpseste du Covid, certains de ses composants, quelques objectifs et les moyens de déploiement des technologies impliquées dans l'établissement du Nouvel Ordre Mondial, version 2.0. Dans le troisième et dernier épisode de cette série, nous verrons les autres ingrédients du vaccin Covid, les conséquences de telles injections et les objectifs recherchés à court terme et à très long terme. Par exemple, vous pourriez vous demander à quoi va servir l'énorme base de données mondiale ou l'acquisition des mémoires individuelles, la collecte des émotions et le contrôle de la pensée ou le développement de la conscience et de la spiritualité. Nous ferons également une comparaison entre ces systèmes terrestres et ceux des sociétés extraterrestres avec lesquelles j'ai eu l'occasion de communiquer de manière frontale, en audio, en direct et à l'écrit. Alors que dans un passé lointain, nous utilisions nombre d'outils pour communiquer, calculer, nous diriger, qui étaient encombrants et lourds, nous les avons rassemblés en un seul, qui tient au creux de notre main et qui comprend un ordinateur. Alors qu'à l'origine, cet ordinateur faisait toute une salle. La même tendance à la miniaturisation s'est imposée au niveau des technologies de manière générale et de la médecine. Dans le premier épisode, souvenez-vous que certains cocardés ont évoqué un serpent grisâtre qui était introduit dans leur gorge ou à l'arrière de l'œil. Il est probable que cette technologie a été miniaturisée pour pouvoir être introduite plus facilement dans le corps humain. À droite est la photo microscopique d'un parasite. Voici l'exemple de morgellons trouvés sur des patients à la suite des épandages chimiques, les chemtrails, il y a quelques années. Le parasite est invisible à l'œil nu. Vu sous le microscope, il est sensible et bouge dès que le patient approche la main.
Voici quelques photos de personnes retirant de leur corps ce même type d'organisme vivant après avoir été vaccinées contre le Covid. Là aussi, l'organisme est sensible et réagit à la présence humaine. Après analyse du sang de certains vaccinés, il est apparu qu'une substance était libérée à partir de capsules et des organismes grossissaient en s'organisant en filaments qui disparaissaient complètement par la suite. Même s'il est impossible d'en conclure qu'il s'agit de la même chose, sans analyse stricte et poussée, il est néanmoins évident qu'il y a des similarités tant dans l'apparence que dans le mode de développement. On retrouve les filaments de la photo 1 dans le fond d'écran de la photo 2 dans le rectangle bleu A, mais on retrouve aussi des cercles noirs qui changent de forme dans les cercles rouges B, C et D et qui deviennent les organismes des photos 3 puis 4 pour évoluer en filament de la photo 1. Pendant l'analyse, voici ce que donne le grossissement des cercles noirs. On voit que c'est une structure ronde ou sphérique avec un point central et un cercle avec 3, 5 ou 7 points selon la grosseur du cercle. Après avoir fait quelques recherches, j'en ai conclu qu'il s'agit probablement de microbules. Lors de leur conception, elles peuvent être dotées de conductivité thermique et elles ont des propriétés acoustiques. Elles sont utilisées en médecine pour administrer des médicaments à des moments précis et pour l'imagerie échographique. Des recherches scientifiques ont été faites à l'Université de Rochester, à New York, aux USA, par la professeure agrégée de génie biomédical, professeure Lisa DeLouise. On voit ici des cellules fluorescentes à l'intérieur des microbules illustrant un projet visant à explorer si les minuscules puits sphériques des microbules peuvent être utilisés pour développer des tissus afin de remplacer certaines cellules. Elles peuvent être utilisées dans nombre d'applications, notamment, je cite, la livraison de gènes par le biais d'interactions électrostatiques, les pores transitoires formés par l'effondrement des microbules permettent au matériel génétique de passer dans les cellules cibles d'une manière plus sûre et plus spécifique que les méthodes de traitement actuelles. Les microbules ont été utilisées pour délivrer des micro-ARN, des plasmides, de petits ARN interférents et de l'ARN messager. Comme le Covid est un palimpseste multicouche qui est le cheval de Troie, dans un ensemble beaucoup plus vaste d'événements planétaires qui s'ajustent les uns avec les autres, inondations, sécheresses, tornades, incendies, tremblements de terre, pandémies, guerres et menaces nucléaires, et dorénavant la crise alimentaire qui engendre la famine, ce sont les principales thématiques qui seront abordées au Forum économique mondial, le WEF, à Davos, en Suisse, du 22 au 26 mai 2022, et auquel les 2500 élites mondialistes sélectionnées, incluant 50 chefs d'État,
sur environ 196, c'est-à-dire le quart, trouveront les réponses sous la baguette du fondateur, le professeur Klaus Schwab. Le but des supracontrôleurs n'est pas le contrôle, mais les moyens utilisés sont coercitifs pour amener une population mondiale vers de nouvelles manières de penser et d'être un surhumain et une nouvelle société terrestre. Pour réaliser ces objectifs, il y a d'abord la création d'un réseau neuronal humain mondial à partir de l'enregistrement numérique des identités, l'acquisition des mémoires individuelles, la collecte des émotions et de la pensée. Ces éléments serviront de multiples buts, notamment celui de les télécharger dans les cerveaux ou les intelligences des robots pour qu'ils aient une conscience humaine. Les Tesla Bots seront les premiers robots à recevoir ce type de données humaines sous forme d'intelligence artificielle. Le robot s'appelle Optimus. Il est présenté par Elon Musk comme un robot capable de gérer des tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses à la place des humains. Mais son aspect humanoïde pourrait contribuer à en faire un compagnon des humains capable de s'adapter et de réagir différemment selon ses propriétaires plutôt que d'avoir des réactions calibrées en fonction des stimuli. Comme vous le voyez sur l'image, Optimus fait 1,77 m, ce qui est grand. Il peut porter 20 kg, donc 5 kg à bout de bras. Il pèse 56 kg et marche à 8 km à l'heure, ce qui est beaucoup plus rapide que nous qui marchons à 3 km à l'heure. Avec un peu de chance, Elon Musk produira une version plus féminine et plus petite qui pourrait s'appeler Optima. Les femmes pourraient l'utiliser pour bouger les armoires ou le canapé du salon, sortir les poubelles ou les courses du coffre de la voiture et les ranger, s'occuper d'un déménagement, faire la vaisselle, passer l'aspirateur pendant que nous méditons, faisons une marche dans la nature et une séance de yoga, où nous réunissons pour discuter du futur de la planète. Le palimpseste COVID est également utilisé pour transformer l'ADN humain sur des sujets vivants. Selon l'OMS, le pourcentage de vaccination doit atteindre 70% d'ici l'été pour que la phase aiguë soit dépassée. En France, nous en sommes à 30%. Attendez-vous donc à une seconde phase intense de vaccination accompagnée de moyens coercitifs comme des amendes. Les conséquences de ces tentatives sont multiples également, comme par exemple la récente pandémie de la variole du singe, qui est l'un des résultats de l'accès à l'ADN par l'ARNm. Une autre conséquence pour 5 à 15% de personnes malades du Covid et vaccinées est un déclin cognitif équivalent à 20 ans de vieillissement, brouillard mental, raisonnement détérioré, impossibilité de mettre en relation idées et pensées méthodiques et qui perdront environ 10 points de quotient intellectuel. C'est-à-dire que la réactivité mentale
diminuera, l'abêtissement et l'ignorance augmenteront et se prolongeront dans le temps. Comme vous le réalisez sans doute, beaucoup de personnes malades ou vaccinées ne résisteront pas à cette transformation de leur ADN et quitteront ce monde dans les 3 à 5 ans. Le transhumanisme et la transformation profonde de l'Homo sapiens et de son ADN est aussi au centre de l'intérêt de certaines fraternités et sociétés secrètes comme Skull and Bones, littéralement crâne et os. C'est une fraternité d'étudiants de l'université Yale aux USA. Elle est aussi connue sous les noms Chapter 322, chapitre 322, et Brotherhood of Death, la fraternité de la mort. Elle comprend des étudiants qui sont devenus des célébrités, comme ceux des trois générations Bush, de grand-père en père en fils. Notez que le sceau de Skull and Bones comprend le nombre 322. Skull and Bones fut créé en 1832 et constitue l'une des plus prestigieuses sociétés secrètes américaines, avec une société honorifique antérieure qui en est à l'origine, qui s'appelle Phi Beta Kappa. Phi Beta Kappa est également une fraternité d'étudiants américains. Elle regroupe des élèves très brillants, élus au cours de leur troisième ou quatrième année d'études universitaires. Fondée le 5 décembre 1776 au collège de William et Mary à Williamsburg, en Virginie, aux USA, il s'agit aujourd'hui de la plus ancienne et de la plus prestigieuse société d'étudiants encore en activité. Elle a été formée par un groupe d'étudiants autour du slogan « Love of learning is the guide of life ». L'amour d'apprendre est le guide de la vie. Ce sont les Phi Beta Kappa qui ont instauré certaines règles telles que les devises, exemple « In hoc signo vinces » ou « Lux et veritas », la discrétion, un rituel d'admission, les sceaux, une poignée de main particulière ou un geste secret. Elle comprend des membres aussi illustres que Franklin Roosevelt, Jeff Bezos, Condoleezza Rice, Mark Twain, Hélène Ochoa, Benazir Bhutto, Frank Oppenheimer. L'ADN humain est composé de 2 hélices et 22 paires de chromosomes, donc 22 plus 22. Skull and Bones veut introduire une hélice supplémentaire pour que l'ADN humain soit composé de 3 hélices de 22 paires de chromosomes, soit 3 fois 22, ce qui fait 666. 322 veut dire 3 hélices multipliées par 22 paires de chromosomes chacune. L'ADN peut être manipulé par électromagnétisme. Vladimir Poponine a découvert que dans le vide, les particules sont chaotiques et désordonnées. Une fois les fragments d'ADN ajoutés, les particules sont attirées par des forces non visibles de l'œil humain et s'organisent spontanément autour de la chaîne d'ADN. Même après l'avoir retiré,
les particules restent telles quelles. Les gènes matériels peuvent être dématérialisés et peuvent devenir des structures de champs électromagnétiques immatériels. Et il peut réapparaître avec la matière, particules élémentaires, photons, électrons. Ce qui signifie que des structures électromagnétiques qui utiliseraient la 5G pourraient être créées depuis l'ADN humain et recomposées avec trois hélices et de la matière à partir de l'ensemble électromagnétique neuronal humain mondial qui est actuellement créé. Un champ électromagnétique peut également être généré par le sentiment d'amour. Ce champ est jusqu'à 100 fois supérieur à celui du champ électromagnétique de la pensée. Cette énergie relie les différentes structures et les nombreux systèmes physiques, auriques et éthériques du corps humain ainsi que son ADN. L'ADN est directement affecté par ce champ de communication électromagnétique et est transmuté par le sentiment d'amour. C'est l'une des raisons pour lesquelles éliminer vos pensées négatives, manger moins d'aliments transformés, de produits d'origine animale et trouver un endroit calme pour méditer aide à modifier votre ADN ou à le remettre dans son état d'origine. La matière n'est pas aussi solide que la majorité des gens le pensent. Nous allons à l'intérieur de nous-mêmes et apprenons à affronter l'ordre disharmonieux de nos propres pensées et perceptions. Au fur et à mesure que nous réorganisons ces perceptions dans un état plus cohésif et moins chaotique, nous éprouvons une plus grande capacité à sympathiser avec les autres, à pardonner, à vivre en harmonie avec la nature, à faire l'expérience de la béatitude spirituelle, à nous libérer de toutes sortes d'emprises. Deux brins de 24 chromosomes ou trois brins de 22 chromosomes sont également les ADN des extraterrestres. Et leurs capacités physiques, psychologiques, mentales et spirituelles sont décuplées par rapport à celles des Homo sapiens. Mais nous n'avons pas besoin des extraterrestres pour demeurer non perturbés par les événements extérieurs. Personne ne peut le faire pour nous. Restez sereins. Avoir recours à la logique et au raisonnement. Vivre 24 heures sur 24 en étant soi-même, à la fois la source et la texture de cet amour inconditionnel sont la vraie source de l'être-té et de la condition humaine. Vous pouvez, comme d'habitude, lister vos questions dans les commentaires de ce post sous l'onglet « Communauté ». Et le dimanche 29 mai, à 17h, nous aurons un direct question-réponse sur cette thématique auquel je vous invite à participer. Mais
que vous pourrez aussi visionner en replay. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur. Pour faire partie de cette nouvelle communauté planétaire, cliquez sur « Rejoindre » sous la vidéo.